I'm champion. Yeah. If you a champion, show me you a champion. If you a champion, show me you a champion. The real champions move like champions. The real champions prove that they're champions. Please welcome once more all these delegations, please. Bonjour à tous, bienvenue dans le magazine rétrospectif des championnats du monde universitaire qui a eu lieu les 6 et 7 août dernier du côté de Nyon. On va en parler tout d'abord avec Yannick Rivel, le président du comité d'organisation. C'est une sacrée organisation, on peut dire, ces championnats du monde universitaire. Alors effectivement, jusqu'à aujourd'hui, on a fait vraiment de gros préparatifs. Tout le comité d'organisation, entièrement bénévole aussi, a fait un énorme travail pour offrir un magnifique week-end à tout le monde avec tant des courses populaires que des courses liées à ce championnat du monde universitaire. Il y a énormément de monde qui travaille, qui gravite autour de vous. Alors effectivement, c'est une trentaine de personnes dans le comité d'organisation à l'année, ainsi qu'environ 700 bénévoles qui vont nous aider, qui nous aident déjà depuis plusieurs jours et qui vont nous aider ce week-end pour un magnifique événement. L'objectif, c'est bien sûr les championnats du monde universitaire d'un côté, mais également rester le côté populaire, qui est quand même l'un des triathlons, le triathlon le plus important de Suisse. Alors exactement, on n'a jamais voulu léser nos populaires, voulu vraiment intégrer ce championnat du monde dans les courses populaires pour faire connaître la région, pour offrir un bel événement et puis aussi mettre en valeur le triathlon et le sport de manière générale. Un budget d'un tel événement, c'est passablement d'argent, passablement de ressources, hein, bien sûr. Alors effectivement, le budget a quasiment doublé avec ces championnats du monde universitaire, avec notamment les délégations à aller chercher à l'aéroport, à loger et toutes les différentes cérémonies à organiser. Donc un beau budget qu'on a dû gérer et qui va bien se terminer aussi. Yannick Rivel, on en est véritablement persuadé. On vous retrouvera bien sûr à la fin de ce mag rétro des championnats du monde universitaire, mais également du triathlon de Nyon. Ce que je vous propose maintenant, c'est revivre les meilleurs moments de la course des femmes des championnats du monde universitaire. Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar, this time I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you a dollar, this time I ain't gonna run away. This time, this time, this time.
Je suis si contente d'être ici. La dernière fois, j'ai crevé. Cette fois, je voulais gagner ces championnats. C'est une grande expérience pour moi, une bonne chose. C'était la première fois ici pour moi et je suis contente. La nage, elle était très compliquée parce qu'il y avait le mouvement des vagues qui était très fort. Ensuite, pour le vélo, elle dit que ça a été très rapide, mais le côté de la montée a été compliqué parce que c'était face au vent. Et puis, il y avait un second groupe qui, juste à la fin de la partie du vélo, les a rattrapés. Et là, donc, elle a dit qu'ils ont dû courir vraiment très vite pour essayer de se démarquer. Et c'est seulement après deux tours de course qu'ils ont pu se démarquer et voir enfin quelles sont les dernières personnes qui pourraient avoir un podium sans savoir qui serait premier, deuxième, troisième. Repartieron los lugares. Sur du troisième tour, ça a accéléré, le rythme s'est accéléré et je n'ai pas pu tenir. Déjà que dans les deux premiers tours, j'avais du mal à suivre au niveau des relances. Mais bon, c'est comme ça, je dois encore progresser à pied, mais c'est déjà bien, je trouve. Oui, c'était dur parce qu'on n'a pas pouvoir voir l'appui. Et ouais, j'essaie de suivre les autres. Et comme ça, c'était ça va, mais c'était vraiment dur. Et le vélo était aussi une course dure avec la montée. Et le vent était fort aussi. Et on essayait de travailler en groupe, mais des fois c'était pas si bien parce que oui, pas tout le monde voulait travailler. Magnifique victoire de la japonaise, ancienne championnat du monde universitaire concernant les femmes. On se retrouve avec François Villene, vous êtes le responsable du triathlon universitaire en Suisse. Expliquez-nous un petit peu justement ce sport universitaire. Alors c'est un petit peu un monde à part qui se passe toujours en parallèle avec du monde d'élite. On a des sélections propres, on a aussi un comité de sélection propre qui est uniquement rattaché au sport universitaire. Alors, les athlètes doivent avoir les deux casquettes, c'est aussi un challenge parce qu'évidemment, nos athlètes sont souvent professionnels. Et là, on a dû un petit peu aller chercher un petit peu plus loin. On voulait aussi se présenter, c'est un championnat à la maison et puis vraiment avoir bonne figure. Et donc, on a fait des sélections au travers Suisse Triathlon aussi parce qu'ils ont dû aller à des Coupes d'Europe. Et puis après, on a aussi élargi les critères pour effectivement faire venir certains universitaires qui présentaient un petit potentiel. Et puis, comme s'ils ont pu venir ici et montrer bonne figure. Bien sûr, la particularité, c'est que bien sûr, ces athlètes sont obligés d'être en cursus universitaire. Absolument, ils doivent montrer qu'ils sont inscrits quelque part. Et en Suisse, c'est assez strict. Dans certaines autres nations, des fois, ils sont un petit peu souples sur les étudiants. Ils acceptent un petit peu facilement parce qu'évidemment, pour les universités, c'est prestigieux. Ici, on a eu des gens de Saint-Gall. Par exemple, Désiré Aigmur vient de Saint-Gall. Alors, je pense que c'est aussi intéressant pour l'université de pouvoir présenter des athlètes comme ça. Et justement, ce monde universitaire, il est un petit peu méconnu quand même. Alors il est un petit peu à part, il se greffe sur le monde du sport d'élite, toujours un petit peu récolté, mais il a leur propre fédération internationale qui est à Lausanne. C'est vraiment une organisation en soi et qui est assez importante. Ils ont les universiades qui est quand même la troisième plus grosse organisation qu'on a dans le monde après les Jeux Olympiques et puis les championnats du monde de foot. Donc c'est quelque chose d'une très grande ampleur aussi. Et puis bien sûr, on va dire clairement que la plupart des athlètes qu'on voit ici du côté de Nyon, ils seront peut-être dans quelques mois, quelques années, aux championnats d'Europe, aux championnats du monde et peut-être aux Jeux à Tokyo en 2020. Alors absolument, on a Adrien ici qui était tout près des sélections, qui était le troisième homme en réalité qui n'a pas pu partir aux Jeux, donc il va être là cet après-midi. Et puis on va une Désirée qui est une nouvelle, qui fait du triathlon depuis 2 ans, ça lui permet elle a fait une 15e place qui est extraordinaire pour une personne qui fait depuis si peu de temps le triathlon. Donc pour elle, c'est le moment de se présenter. Un moment de goûter le sport d'élite et puis effectivement de pouvoir se présenter pour le haut niveau aussi. Merci en tout cas pour toutes ces informations concernant le sport universitaire. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir les meilleurs moments des championnats du monde universitaire concernant les hommes cette fois-ci.
On a commencé avec une bonne nage en 3 tours. Chaque tour était difficile. Et il y avait aussi quelques bons nageurs aujourd'hui, ce qui a rendu les choses encore plus dures. Et puis la course à vélo, la côte à la fin, était très difficile. Dès l'entame du deuxième tour à pied, le Turc a mis une attaque. Ça a fait exploser le quatuor dans lequel j'étais. Et à partir de ce moment-là, je suis resté à ma position de troisième. Et ouais, ça a été un petit peu difficile pour tout le monde, je pense, sur les deux derniers tours. Je pense que la course elle s'est faite vraiment dans le deuxième tour. Et derrière, on a tous fini comme on a pu, quoi. On peut dire déçu, mais vu les circonstances de course, je me sens je suis content. Et puis j'ai fait une super natation, sortir 5e, j'étais vraiment content. Je suis monté sur le vélo, j'ai vu que la selle est descendue, donc je me suis dit bon, je continue et puis je verrai les dégâts à pied, parce que le rouler pas à la bonne hauteur, ça use beaucoup plus les jambes qu'on ne peut pas se reposer. Donc à pied, j'ai essayé de partir, j'ai vu que ça allait bien. Quand Sheldon est passé devant l'anglais, je me suis dit bon allez, je vais essayer de rester le plus longtemps derrière. Et puis à un moment j'ai dû lâcher, j'avais trop mal aux jambes. Et puis après j'ai essayé de limiter les gars et puis j'étais vraiment mal. Magnifique organisation de ces championnats du monde universitaire et également le triathlon de Nyon. Quantité de petites mains tout au long de ce week-end ici du côté de Nyon. On en parle avec Coralie Grivel. Vous êtes responsable du ravitaillement. Il y a beaucoup de travail durant tout ce week-end. Oui, exactement, parce que le poste donc, du ravitaillement constitue 3 postes sur tout le parcours. Donc c'est quand même un bon boulot pour pouvoir ravitailler et en eau et en alimentation à l'arrivée. Et combien de personnes qui travaillent, qui gravitent autour de vous ? Alors, il y a une vingtaine de bénévoles qui sont pour le ravitaillement des athlètes et puis répartis sur les 3 postes. Et puis, justement, recruter ces bénévoles, c'est difficile. Alors, Kylian, on sait que c'est de plus en plus compliqué d'avoir des bénévoles dans des manifestations. Alors, c'est vrai que c'est assez difficile pour que les gens soient motivés. Mais après, je dirais que moi, j'ai essayé de recruter un peu mes connaissances, mes amis, pour que ça soit aussi une équipe sympa et puis que tout le monde passe du bon temps. C'est une belle histoire d'amitié entre vous et le triathlon de Nyon également. Oui, exactement, on peut dire ça. Merci Coralie Grivel et puis bonne suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce que je vous propose maintenant, c'est de revivre la journée de samedi avec les championnats suisses de la distance olympique. J'étais un peu des doutes au début parce que ça fait quand même un petit moment, un petit mois que je n'ai pas fait de compétition. Je me suis préparé en faisant des entraînements et tout ça, puis j'étais pas sûr vraiment de mon niveau. Alors en vélo, j'ai fait plutôt une course à suivre Florian. Il a donné un très bon rythme et puis ça a été presque rapide pour moi, alors je me suis préféré rester derrière. Derrière, je me suis tout misé sur ma course à pied et puis le rythme, il est là. Vraiment, j'ai fait des bons entraînements en course à pied ces derniers temps. Ça a bien été. 2h07, je crois que j'ai fait un truc du style. Pour un Olympique, c'est quand même long. Du coup, à pied, c'est vraiment hyper dur parce que c'est impossible de trouver un rythme. Parce que ça monte, ça descend, c'est plat. C'est vraiment ce qui est le plus dur. Je dirais à vélo, ça va. Si tu roules fort, t'arrives quand même à mettre de la vitesse, alors qu'à pied, c'est impossible. Ouais, il faut beaucoup s'entraîner pour pouvoir enchaîner les 3 disciplines vite. Il ne suffit pas d'être fort dans une discipline. Être fort dans les 3, c'est assez dur à avoir. Donc,
ouais, beaucoup d'heures d'entraînement et puis beaucoup de sacrifices, quoi. Natation, c'était le cataclysme, des grosses vagues, des bons creux. J'ai bu pas mal de fois la tasse, mais au final, bon, on a essayé de survivre. Et le plus beau était à venir, donc bon, ça s'est bien passé. Que ce soit le vélo avec des petites montées, ensuite on peut récupérer en descente. Et la course à pied, bon, bah, c'est vallonné, mais c'est dans les forêts, donc très très sympa. Bah, pour moi, c'était parfait. Il y a juste un moment sur le parcours vélo, quand il y a beaucoup de monde, c'est difficile pour tout le monde. Mais les gens, ils se poussent bien à droite et... Moi, j'ai trouvé parfait, j'aime toujours venir ici et le parcours il est vraiment sympa, l'ambiance aussi. Ouais, c'est bien, je l'aime bien ce triathlon, je le fais souvent. Et puis c'est proche de chez nous, j'aime bien. Nadine, alors c'est une grande surprise de te retrouver championne suisse ici du côté de Nyon. Oui, c'est une grande surprise, je savais pas ce que ce sont les championnats suisses. Ben, il y a une semaine que je suis inscrite et ouais, je suis très contente. C'était une grande surprise pour toi, tu l'as appris vraiment sur la ligne d'arrivée. Hein. Ouais, ben, j'avais quand même avant le départ que ce soit le championnat suisse, mais j'ai pas pensé que ben, je peux gagner. Donc beaucoup de satisfaction, comment s'est déroulée ta course? Ben, la natation c'était très dur, il y avait beaucoup de vagues. Et après le vélo, les 4 tours, c'est toujours difficile pour moi, je suis pas très fort sur le vélo, mais j'ai quand même trouvé un bon rythme. Et après le course à pied, ça s'est bien passé. De belles images réalisées par toute l'équipe de Léman Bleu Télévision. Samedi, il y avait également les courses des jeunes. Et ce que je vous propose, c'est de découvrir les meilleurs moments de ces courses toujours très appréciées ici du côté de Nyon. Ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais en train de courir, j'ai commencé à me faire mal et je sais pas comment ça s'est passé. Je crois que c'est parce que je courais trop vite. Quand je suis quatrième, comme l'année, il y a 2 années en avant, et je voulais bien essayer de passer quelqu'un d'autre pour être sur le podium, mais c'est comme ça. Voilà, on arrive gentiment au terme de ce magazine rétrospectif sur les championnats du monde universitaire. On est avec le président du comité d'organisation, avec forcément le sourire, le soleil et le spectacle étaient au rendez-vous, on peut le dire clairement. Alors effectivement, on a tout eu ce qu'il fallait, du soleil, de la cérémonie d'ouverture à cet après-midi, avec des belles températures, des magnifiques courses et tout le monde qui était content. Le bilan pour vous? Alors très positif, c'est vrai qu'on a, il y a plein de petites choses qu'on a optimisées au fil du week-end, mais tout le monde en ressort satisfait et content de ses courses, tant au niveau des bénévoles que des populaires ou aussi des participants du championnat du monde. Justement, les délégations du monde qui étaient réunies ici, satisfaits justement de ces championnats en terre nyonnaise? Alors tout le retour qu'on a eu jusqu'à maintenant était vraiment positif, les gens appréciaient la région, appréciaient les courses, les parcours, les spécificités, donc très positif.
Vous avez deux personnes de moins que l'année dernière, mais vous êtes quand même toujours le triathlon le plus populaire de Suisse. Un des plus populaires en tout cas, c'est sûr, avec quasiment 2300 participants. Donc c'est une grande satisfaction pour tout le travail accompli par le comité. Merci, merci. Yannick Grivel, bravo encore pour l'organisation et puis bien sûr à tout le comité et tous les bénévoles. Voilà, on arrive au terme de ce mag sur les championnats du monde universitaire de triathlon, également le triathlon de Nyon. Merci à toute l'équipe de Léman Bleu qui a réalisé cette émission. Je parle de Florian, de Benoît, de Julien, de Gilles, de Denis, de Michel. Merci à toute l'équipe de Léman Bleu Télévision. Très très bel été et à très vite. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de vivre, de revivre les meilleurs moments de ces championnats du monde universitaire. Soon I'll be passing on the left, I'm a champion.